Ja, Anina, ich freue mich natürlich für neuerdings auch mal draußen unterwegs zu sein. Hier jetzt bei den drei Ladies von Acoustic Africa. Afro Pfingsten, comment ça c'était pour vous la dernière fois? C'était super. On avait une heure de spectacle, on est allé à fond. J'avais 2 mois de grossesse, j'ai dansé comme une malade avec beaucoup de monde. Et je crois que c'est mon 4e. Je suis allé 4-5 fois dans ce gros festival. Ouais. Comment est-ce que vous connectez les deux différentes cultures de l'Afrique et de l'Europe? La connexion se fait naturellement. Donc, le monde est tout petit, c'est un. Qu'est-ce que les spectateurs peuvent-ils attendre de vous? C'est de la chaleur, c'est des musiciennes, ça danse, ça chante, ça joue à la percue, ça joue à la guitare. C'est vraiment l'Afro Woman Power. Qu'est-ce que sont vos souvenirs à l'Afro Pfingsten? Vous avez déjà dit, il y avait ici beaucoup de trucs, vous avez dansé et tout. Les gens, pouah, 200 CD vendus, les gens lavaient les yeux comme ça, c'était la magie. Je me souviens trop bien, quoi. C'était de bons moments à chaque fois. Justement, vous échauffez un peu avec le micro. Avant qu'on va vous suivre sur stage. Magnifique, merci beaucoup. Au revoir les filles. Merci. Zamani mbuku kaka mizolo late.